favoriser l'enracinement du maïs. Oui, je t'écoute bien. En fait, là, voilà, on voit vraiment une bande qui est détruite mécaniquement. Et on voit pas trop, mais en fait, en profondeur, ouais. Ben, on a une zone de 20-25 cm qui est travaillée où le maïs va descendre. Parce qu'en plus, on a localisé. On a un radis ici qui va servir un petit peu d'arbre dans l'écosystème. Et puis on voit ici donc une crucifère. Ici il y a un petit pois. Ce petit pois, s'il était tout seul, en fait, il serait retombé au sol. Il aurait tendance à pourrir, à ne pas faire beaucoup. On est obligé d'être desserré pour pouvoir. Non, moi je n'y touche pas. Si je m'en sers de point de pivot. Je touche à celle du haut et celle du bas. Et je pivote et je ne touche pas. Les deux autres, je ne touche pas.